Midi 30, 14h. La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai une heure pour vous montrer que la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Vous êtes chez vous, vous êtes aussi dans les entreprises, dans les territoires, les associations, et c'est de là que vous faites bouger les choses. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux jeans français. 1083 Caporal David Ao ou les jeans Tiffery, ces marques-là, anciennes ou nouvelles, sont de chez nous. L'ébénisterie familiale s'est développée. Aujourd'hui, la deuxième génération Gauthier est aux commandes en Vendée. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis c'est vrai qu'on manque tous de place, et si aménager un studio dans un meuble était possible, c'est ce que fait Very Good Box, et c'est la solution. C'est ça la France qui bouge, et c'est sur Europe 1. Europe 1. 39-21, comme chaque jour, venez nous dire si vous achetez du jean français. C'est vrai qu'on en a tous dans nos placards, Anissa, au moins un modèle. Bah oui, c'est l'indispensable, fini les cow-boys, maintenant il est français le jean, effectivement. Donc venez nous dire si vous avez des jeans français dans vos placards, si vous vous aimerez en avoir. Eh bien c'est le 39-21 qu'il faut composer, effectivement Raphaël, mais aussi Twitter, hashtag oui. Europe 1. On lit vos messages, vos réactions et surtout vos questions. Alors ce jean, il est porté par les petits, par les grands, dans tous les pays, toutes les couches aussi de la société. Et oui, le jean est français, c'est la fameuse toile de Nîmes. Alors pas étonnant que les entreprises tricolores veuillent aujourd'hui se le réapproprier. Pour accueillir nos invités qui sont à la relance de cette filière, à mes côtés Elisabeth Assayag, bonjour Elisabeth. Bonjour Raphaël et bonjour à tous. Et notre coach du jour, Guillaume Gibaud du slip français, le fondateur. Bonjour Guillaume. Idéal pour le jean, le slip, évidemment, bien sûr. Évidemment, il n'y a qu'à le mettre dessous, c'est parfait. Le jean, c'est de chez nous, même si aujourd'hui Lévis a le marché. Eh bien c'est dans l'Hexagone, à Nîmes, qu'il a été inventé. C'est donc pour se réapproprier cette invention que les marques françaises se lancent à l'assaut de ce marché. Bonjour Thomas Hurier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes d'habitude dans le fauteuil d'en face, celui de Guillaume, en tant que coach. Aujourd'hui, vous allez passer sur le grill et être challengé. Vous êtes le fondateur de 1083. Vous êtes installé à Romans-sur-Isère. D'abord, dites-moi, quand on est dans la capitale de la chaussure, pourquoi est-ce qu'on a envie de se lancer dans l'aventure du jean ? Parce qu'on a une histoire profonde avec la mode, avec l'industrie, et du coup notre volonté de relocaliser, elle est vraiment nourrie par tout ce qu'on a connu des localisations. Donc quand on parle de Made in France et d'écologie, de respect de l'environnement, autant s'atteler à un des produits les plus populaires et le plus symbolique, le jean. Et puis vous aviez aussi envie de revenir chez vous, à côté de votre grand-mère, c'est aussi ça qui vous a motivé. Oui, à la base c'est une histoire familiale, j'ai transformé une maison de famille en magasin il y a 11 ans, et puis ce magasin s'est développé, a manqué des fournisseurs, donc j'ai créé 1083, et puis voilà, d'année en année, en suivant mes clients, on en est à plus de 55 emplois directs, là. Donc c'est assez spectaculaire grâce aux commandes clients. Alors dites-moi, votre toile de jean, c'est la fameuse toile de Nîmes? Oui, alors le premier de Nîmes qu'on a lancé en plus en financement participatif en 2013, c'est une copie du Sergé de Nîmes qu'on a identifié, qu'on a trouvé au musée municipal de Nîmes. Et du coup, on est parti de cette toile historique tissée en France pour développer notre marque. Et aujourd'hui, on a 5-6 de Nîmes différents qui sont systématiquement teints, tissés et confectionnés en France. On a vraiment la volonté d'être dans un Made in France au maximum. Elisabeth, un peu d'histoire, oui, évidemment, repartons à Nîmes. Mais oui, parce que tout commence à Nîmes, hein, c'est ça. C'est de là d'ailleurs que vient le mot de Nîmes, hein, D-E-N-I-M, oui, de Nîmes. Ça démarre donc chez nous au XVIIe siècle, les tisserands, notamment la famille André, oui. Qui fabriquent une toile de coton, une toile particulière. Ce sont eux qui vont commercialiser la Sergé de Nîmes, une toile réputée pour sa résistance. Elle sert à fabriquer des vêtements de travail, hein, des voiles ou de navires ou des tentes. Et cette toile va donc être bientôt transformée en de Nîmes, puis teintée en bleu. C'est une vraie aventure, hein. Qu'est-ce qu'il dit le coach de cette saga du jean? Le coach va se mettre dans son rôle de coach, je vais le chatouiller un peu. Quand on remonte les filières, on essaie de comprendre un peu toutes les étapes. Je sais qu'il y a eu une actu très récente de 1083 avec un tisseur. Est-ce que tu as besoin de dire un mot? Et quand on est une marque, qu'est-ce que ça veut dire finalement d'aller racheter un fabricant qui est a priori pas forcément son métier de base? Est-ce que c'est pas un risque financier trop important? Je mets ma casquette de coach, hein, je pose la question méchante, mais est-ce que c'est pas comment est-ce que vous voyez les choses chez 1083? Non, c'est pas du tout méchant, c'est sérieux. Effectivement, cet été, à force de grandir, on s'est appuyé sur un principal fournisseur qui est un des derniers filateurs français et un des tisseurs français. Valeureux. Et malheureusement, il a déposé le bilan en mars 2018. Avec une période d'attente derrière pour voir s'il allait reprendre des activités. Malheureusement, ça ne s'est pas produit. Et donc, on s'est mobilisé avec le directeur de la partie tissage pour essayer de reprendre l'usine, sauver des emplois et du coup, conserver ce savoir-faire en France. Donc, c'est un gros cap pour nous,
puisque du coup on va passer de 20 à 55 aujourd'hui, mais c'est passionnant. Je découvre les Vosges, c'est un merveilleux pays aussi, et voilà, c'est une belle aventure. Après, c'est laborieux au beau sens de la beurre. Ça veut dire, Thomas, qu'aujourd'hui le jean 1083, quel qu'il soit, hein, quel que soit le modèle, il est forcément fabriqué en France de A à Z? Alors de A à Z, non, parce qu'on n'est pas encore un pays producteur de coton. Mmh. On le saura quand on apprendra à recycler les jeans et donc à extraire le coton de nos vieux vêtements. On est vraiment branché sur le recyclage. Par contre, à partir du moment où on a la fibre, on file, on teint, on tisse, on confectionne en France. Et du coup, sur les 89 € que dépense le consommateur, il y en a 86 qui règlent l'économie locale. Les 3 € qui restent, c'est le coton et les boutons et les rivets qu'on n'a pas encore su relocaliser. C'est important de relancer ce marché parce que c'est un gros marché, Elisabeth. Oui, ils s'en vendent 2,3 milliards de paires par an, je vous parle au niveau mondial, pour un chiffre d'affaires de 58 milliards de dollars, puisque c'est mondial, donc je vous parle en dollars. Et au niveau mondial, donc c'est Levi's qui est le leader sur le marché. Aujourd'hui, on compte environ 7 jeans par personne dans le monde. C'est le cas autour de la table? Vous avez tous en moyenne 7 jeans? Ou 7, peut-être pas, mais... 5, je crois. Ouais. Et la France représente 10% du marché européen en termes de vente. C'est un marché en croissance depuis 10 ans. Et c'est même le marché de l'habillement le plus dynamique en Europe, alors que les ventes baissent pour la plupart des autres pièces textiles. Le coach? Effectivement, un marché important et vous avez des projets importants. Je sais qu'il y avait l'histoire de la reprise de Charles Jourdan à côté de Romans. L'usine, en tout cas. L'usine, ouais. Est-ce qu'on est soutenu en tant qu'entrepreneur par les pouvoirs publics locaux, les banques? C'est une question qu'on se pose. Est-ce que quand on a un vrai projet qui fait du sens local, ancré dans un territoire, est-ce qu'il y a du soutien? Oui, nous on bénéficie d'énormément de soutien. Mais en fait, ce soutien, il est la conséquence du soutien fondamental qui est celui de ses clients, de sa communauté. Et quand on peut s'appuyer comme ça sur des clients très fidèles, très moteurs, très engagés, qui sont en fait de véritables ambassadeurs, alors le soutien bancaire et le soutien politique est presque automatique. Mmh. Donc oui, on a la chance de bénéficier de ce soutien-là. C'est ce qui nous permet de nous développer en financement participatif et c'est ce qui nous permet de reprendre demain l'usine Charles Jourdan pour déménager nos ateliers à l'intérieur. Des projets, il y en a beaucoup d'ailleurs, hein, Thomas. Vous travaillez sur un nouveau produit, je crois, le jean recyclé à partir de déchets de la mer, avec un concept assez novateur, puisqu'il y a une consigne de 20 € pour éviter évidemment la surconsommation. Ça aussi, c'est une tendance de fond aujourd'hui dans la société, pas que française d'ailleurs. Alors nous, on est vraiment une marque de filière et donc ça ne nous intéresse pas de faire de la com et d'aller de faire juste le minimum. Voilà, le minimum ne nous intéresse pas, c'est le maximum qui nous intéresse systématiquement. Quand on veut faire un produit éco-conçu, on s'intéresse à son début de vie et à sa fin de vie. Et donc on a cherché à faire un jean monomatière, 100% recyclé, issu des bouteilles plastiques et des déchets de mer, que l'on confectionne avec que des accessoires en polyester. Grâce à ça, en fin de vie, si on récupère le jean, alors il peut servir de matière première pour refaire un jean neuf à 100%. Mais quand on dit ça, c'est bien, mais il faut être capable de le récupérer, ce jean. Et c'est pour ça qu'on consigne ces jeans recyclés, pour être certain qu'en fin de vie, on les récupère et on fabrique un nouveau jean avec. Et des projets, il y en a encore beaucoup. Je précise juste, parce qu'on va en parler dans un instant, mais qu'on a un premier tweet d'Alex sur le hashtag Europe 1 qui nous dit « Le jean français est l'unique vêtement que j'ai dans ma garde-robe ». Voilà un bon exemple à suivre. On reste ensemble, on continue à parler jean français sur Europe 1. Il est 13h08. Europe 1. Il y a de jeunes marques, mais il y a aussi de plus anciennes qui sont françaises. Caporal est de celle-là. Elle revient en France fabriquer du jean français. Midi 30, 14h. Raphaël Duchemin sur Europe. L'occasion du salon Made in France qui va ouvrir ses portes un samedi jusqu'à lundi. On parle de la renaissance d'une jean français aujourd'hui avec vos invités, Raphaël. Si vous portez des jeans français, n'hésitez pas à venir nous le dire hein, sur le 3921, sur le standard d'Europe 1 et également sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Elisabeth Assayag est à mes côtés comme chaque jour. Guillaume Gibault, fondateur du slip français, est le coach du jour. Alors c'est vrai que quand on pense jean, on pense sud de la France et c'est vrai que dans la région, dans les années 80, le lieu de création du jean, eh ben c'était Marseille. C'est là notamment qu'est né Caporal un peu plus tard. Oui. Bonjour Guillaume Ruby. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes Merci directeur de la marque Caporal oui. qui fêtera, je crois, ses 15 ans l'année prochaine. Exactement. Et qui fête les 2 ans de sa ligne Jean de Nîmes ce mois-ci. Voilà, alors, sa ligne Made in France, Jean de Nîmes, ce mois-ci. On va en parler, évidemment. Oui. Marseille, vous y êtes toujours avec Caporal. C'est une histoire de famille. Hein, c'est Caporal. Une histoire de famille, deux générations à la base, hein, qui étaient du sentier marseillais, comme on appelle, hein, qui confectionnaient et qui ont eu cette idée, on va dire, un peu folle, hein, au début des années 2000, où le marché était vraiment tiré par des marques américaines, italiennes, on parlait effectivement des Japonais, des Scandinaves, de lancer en cocorico leur
la marque Caporal, hein, qui ne s'est pas développée sur du Made in France, mais qui arrive quelques années plus tard, après s'être fait une belle place sur le marché français et être une des marques les plus populaires aujourd'hui en France. Vous employez 500 personnes à Marseille aussi, c'est ça. En fait, on a accéléré la croissance. 120 boutiques ? C'est ça. C'est grâce aux boutiques. Hein, et en fait, à partir de 2013, on a investi. On a des investisseurs qui nous ont rejoints pour investir sur la marque, sur le potentiel de la marque. Et on s'est dit qu'effectivement, la première chose qu'on devait faire, c'était aussi de créer de l'emploi en France en ouvrant 120 boutiques. Voilà, à date, un rythme assez important de 10 par an à peu près. Vous avez fait aussi un gros travail autour du délavage, définition, pour vous différencier. Ça veut dire que si j'enlève l'étiquette Caporal, je sais reconnaître votre jean avec ses spécificités. Je pense vraiment, je vais vous dire pourquoi, parce que Caporal, c'est l'ornement, c'est énormément de décoration et notamment l'utilisation du logo et du mot Caporal qui revient sur toutes nos toiles de jeans et ça a créé effectivement sa marque de fabrique. Le jean Caporal, il est assez maximaliste, on va dire, au niveau du style. Vous ne produisez pas tout ici. Pour quelles raisons ? On a le droit de dire aujourd'hui, finalement, on est une marque française, mais pour des raisons financières, on a choisi aussi de produire ailleurs ? Alors, il n'y a pas que des raisons financières. Hein. On a parlé du tissu industriel au début des années 2000 en France, du tissu industriel français qui était complètement sinistré. Je crois que nous, on a une histoire de famille marseillaise qui a fabriqué à Marseille et qui, au final, a dû repenser son modèle économique. Et voilà, et donc on est parti dans la Méditerranée. On est fidèle à la Méditerranée pour le jean. Et donc, en fait, on produit aujourd'hui essentiellement au Maroc, mis à part notre ligne Made in France. Alors, Guillaume Gibault. Du coup, c'est un sujet, parce que je pense qu'au-delà du Made in France, je pense que c'est important aujourd'hui, dans notre époque, c'est vraiment la transparence et d'expliquer aux clients d'où viennent les différents produits. Exactement. Comment est-ce que vous organisez ça? Parce que, de ce que je comprends, c'est une ligne qui est Made in France. Comment est-ce que dans vos boutiques ou sur votre site, ou comment est-ce que vous expliquez la différence de... Alors, il y a un nom différent déjà. Oui, hein. Tout à fait. D'abord, c'est par le nom qui évoque vraiment l'origine Made in France. En magasin et partout, on le signale, hein, on crée un espace dédié. On est tout à fait transparent sur l'origine du reste des collections. On n'a jamais revendiqué. D'ailleurs, on a toujours été discret jusqu'à présent sur le fait qu'on était une marque française. Enfin, discret, c'est-à-dire, c'est pas ce qu'on a mis en avant. On a mis en avant notre jean avant tout. Donc, on le différencie. Vraiment, on l'explique d'abord sur notre site et via nos boutiques. Le problème, c'est l'appareil productif, si je vous suis bien aujourd'hui. C'est-à-dire que si demain, effectivement, les choses redémarrent, on en parlait tout à l'heure avec Thomas, c'est quelque chose que vous pouvez imaginer, revenir, fabriquer. Alors, vraiment en tout France. À fait, pas après pas, parce que le tissu industriel va mettre du temps à se réorganiser. Qu'aujourd'hui, on a une responsabilité, c'est celle de 500 employés, et on s'est créé sur un modèle différent. Mais en tout cas, aujourd'hui, on doit produire à peu près 5% du jean en France en l'espace de moins de 2 ans. On a des ambitions beaucoup plus élevées. On peut doubler, tripler très rapidement si on trouve les bonnes synergies, justement. Et c'est ça qui, je pense, manque, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives sur le Made in France qui sont isolées. Il faut les regrouper. Pas que chez les jeaneurs, hein, parce que nous on parle du jean, mais c'est aussi toute l'industrie textile qui doit s'y mettre. Et en tout cas, moi, le message qu'on voudrait porter, c'est de se dire, quand on s'est développé sur un modèle économique qui n'est pas spécifiquement le Made in France, on peut y aller. Quand on est une entreprise française, il y a des tas de moyens de hybrides, on va dire, pour revenir au Made in France. Moi, coach. De mon point de vue, il y a quelque chose qui est important, c'est effectivement de pas être sur le terrain de la morale, en fait, de pas dire exactement. Aux gens de leur dire c'est pas bien d'acheter telle ou telle marque. C'est au contraire de valoriser, d'être. Et je sais que Thomas chez Mécatrendra, vous êtes vraiment dans cette démarche, c'est-à-dire d'accepter toutes les façons de bien faire, et il y en a beaucoup. Du coup, ma question pour vous, c'est quoi le ressenti du client, en fait? Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à cette ligne qui est Made in France et pas par rapport aux autres? Donc, si vous l'indiquez clairement dans le magasin, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils disent que c'est bien? Est-ce qu'ils disent qu'il faudrait que tout le magasin soit comme ça? Est-ce qu'au final, ils n'ont pas tellement d'avis? Alors oui, il y a un avis. D'abord, effectivement, le jean qu'on a voulu faire, il était différent des autres. Il est peut-être plus sobre. Alors, on a voulu marquer. Je le porte. Hein. C'est un jean qui est plutôt brut, une toile qui est très épurée, qui est très clean, alors que d'habitude, on fait des travaux assez costauds dessus. On les malmène bien souvent. Oui. Là, on a été très gentils avec nos jeans Made in France. Et en fait, nos clients
client, le ressenti est bon. Alors les premières questions qui ont été posées, c'est pourquoi un jean made in France coûte plus cher. Voilà, donc il y a tout un travail d'éducation et de sensibilisation qu'on fait en boutique pour expliquer pourquoi effectivement les prix sont plus élevés. Et je crois que toute l'industrie, ça aussi, on se bat tous pour ça aussi. C'est expliquer pourquoi il y a une différence. En tout cas, le ressenti est très bien parce que ça a appuyé nos origines. C'est grâce à Jean Denim qu'on a appris que Caporal aussi était une entreprise française. Thomas ? Oui, il y a 88 millions de jeans qui sont vendus chaque année en France. Oui. Je trouve très important que des marques complémentaires en termes de positionnement, d'histoire, de clientèle se mettent sur le marché pour que collectivement notre offre gagne du crédit et que du coup, on passe de quelques dizaines de milliers de jeans tous réunis à quelques centaines, ce qui va mécaniquement augmenter et créer beaucoup d'emplois. Ouais, vous avez raison. D'ailleurs, je voudrais me tourner vers Elisabeth parce que quand on regarde le jean finalement qu'on achète, Le classique. Si on ne regarde pas les étiquettes, attention, un jean classique vendu en France, qui n'est pas made in France. Oui. Il vient d'où ? Il y a énormément de pays qui peuvent entrer dans la ligne de fabrication. Vous avez le coton qui provient d'Inde, de Chine ou des États-Unis, la teinture bleue qui vient parfois d'Allemagne, les rivets en zinc d'Australie, la fermeture éclair du Japon. Le pantalon est confectionné en Tunisie et la toile est délavée parfois avec des pierres ponces, paraît-il, de Turquie. Confirmez, c'est une méthode qui est toujours De moins en moins. Utilisée. Ça existe encore. Maintenant, on arrive à faire justement, et le côté éco-friendly est important. Enfin, éco-friendly, plus qu'éco-friendly. La pierre ponce, c'est éco-friendly. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça utilise de l'eau aussi. Enfin, il faut, voilà. En gros, il y a des nouvelles techniques, et ça aussi, et c'est important de le dire, il faut qu'on continue à innover sur les techniques en France. On a notre carte à jouer, des techniques justement, par exemple au laser, qui vont faire le travail que peut faire une pierre ponce, mais qui sont plus naturelles en fait. On continue à débattre et à parler du jean dans un instant sur Europe 1. Il est 13h19. Europe 1. Vous allez voir qu'on peut commencer à travailler chez Levi's et devenir un ambassadeur du jean français. C'est le cas du fondateur de Dao Jean. C'est ça, la France qui bouge. À tout de suite. Europe 1, midi 30, 14h. Votre rendez-vous info de la mi-journée avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Samedi, c'est le début du salon Made in France et aujourd'hui, Raphaël Duchemin, vous avez décidé de donner la parole à ceux qui font renaître le jean français. Ils sont là autour de vous et d'ailleurs, vous pouvez réagir à cette émission. N'hésitez pas, vos questions, vos réactions, vos témoignages sur Twitter, hashtag Europe 1 et au 3921, c'est le standard d'Europe 1, vous le connaissez par cœur, 50 centimes la minute. Toujours à mes côtés, Elisabeth Assayag, toute la semaine évidemment, oui, elle m'accompagne, bien sûr, elle nous présente. Donne des éclairages sur la filière. Notre coach du jour, c'est Guillaume Gibault, fondateur du slip français. On parle jean aujourd'hui et c'est vrai que faire du jean, il y en a pour qui c'est presque un rêve, comme celui de monter d'ailleurs sa propre boîte. Après avoir travaillé chez Levi's, David Ao s'est lancé. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Raphaël, merci pour l'invitation. Depuis 2012, vous avez fondé Dao Jean. Alors je ne mens pas, je crois, en disant que vous étiez fan du jean et depuis l'âge de 14 ans, vous aviez en tête aussi de devenir entrepreneur. Eh ben, c'est exactement ça. En fait, ça remonte un peu plus loin encore. En fait, ça remonte à une rentrée de sixième que j'ai fait en 97. J'avais 11 ans. Où je suis arrivé à cette rentrée avec un vêtement, en fait, une veste, en fait, trouée à l'aisselle. Et je me suis dit à ce moment-là, plus jamais ça. Et du coup, j'ai commencé la couture comme ça. Par chance, ma mère a une machine à coudre dans la maison. Ouais, vous étiez une famille de 8 enfants, c'est ça ? Exactement. J'étais le troisième en partant de la fin. Autant vous dire que les vêtements, ils arrivaient effectivement de frère en frère. Et que comme j'étais à la fin, c'était un petit peu compliqué. D'où les trous dans la veste. Exactement. Donc, vous vous mettez à apprendre à coudre avec maman ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, elle ne voulait pas du tout que je fasse ce métier. Ah bon ? Donc, j'ai fait ça tout seul. Et vous lui avez piqué sa machine ? Non, en fait, vous l'avez regardé faire ? Ouais, exactement, c'est ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 16 ans, je personnalise des jeans, etc. Et j'en vends à mes potes de classe au lycée. Et à 18 ans, j'arrive à Nancy, je suis né à 3, j'arrive à Nancy et c'est là que je commence effectivement chez... Oui, entre-temps, vous oubliez de dire que vous avez fait le tour du monde pour voir comment était fabriqué le jean. C'était après, j'ai passé effectivement un an au Vietnam, je suis d'origine vietnamienne. J'avais besoin de savoir qui j'étais, j'avais besoin de savoir comment le produit était fait. Et entre ce qu'on voit à la télé, sur ce qui se passe en Asie et de le voir, de le sentir, la chaleur, etc., il y a un décalage. Et c'est à cette époque, entre 2011 et 2012 en fait... que j'ai décidé de tout rapatrier en France et en fait de m'installer dans un 21 mètres carrés à Nancy. Ouais, avec à côté trois de machines. La place Stanislas. Alors j'ai ouvert à côté de la place Stanislas en 2014. Aujourd'hui, on compte une quinzaine de machines, on est 6 collaborateurs.
et 88 mètres carrés. Voilà. Ça donc vous avez lancé vos premiers modèles, vous en avez combien aujourd'hui? Oula, on a une quinzaine de modèles. Quinzaine de modèles. Voilà. Vous avez commencé avec du financement participatif pour vous lancer? Alors en fait, j'ai commencé sur mes deniers personnels. Ensuite, j'ai fait un premier financement participatif en 2016 et j'en ai fait un cette année. Et vous avez choisi de travailler le lin. Alors c'est, j'allais dire, c'est un hasard aussi, parce qu'au départ c'était du coton. Ouais. Et puis, il y a eu un problème de livraison. Ouais, exactement. En fait, en 2016, suite à mon premier financement participatif, je me suis rendu compte qu'on était très dépendant de l'étranger finalement. Et qu'en voulant faire mon premier denim en France, je me suis dit, mince, pourquoi on fait du coton qui vient aussi de l'étranger? Et là, j'ai commencé à m'enseigner en fait sur ce qui pousse en France, parce qu'on est un pays agricole. Et il s'avérait qu'on est le premier fournisseur de lin fibrotextile au monde. 60% est cultivé entre Caen et Dunkerque. Et donc c'est naturellement que je me suis penché sur la question. Ça a été plus compliqué à faire un jean en lin, c'est plus cher forcément, un peu plus cher. C'est plus cher effectivement, il y a aussi moins de fournisseurs qui veulent se lancer là-dedans. Oui, nous... du mal à trouver quelqu'un pour tisser aussi. Exactement, donc on a trouvé une oreille attentive auprès de Donné Heinrich qui travaille d'ailleurs avec Thomas de 1083 à Varry Industries. Et du coup on a passé 2 ans à développer ce denim, le denim lin, c'est notamment la veste que je porte sur moi aujourd'hui. Et du coup, on l'a lancé cette année. Très belle. Merci, c'est gentil. Le coach, il dit quoi ? J'ai une question. Moi, j'entends l'histoire fabuleuse qui, j'espère, donne envie à tous ceux qui nous écoutent, qui peut-être ont envie de monter leur boîte. Ça a l'air facile, comme ça. Comment on fait pour émerger ? Est-ce que, tenace quand même. Hein. C'est peut-être ce que tu vas nous dire. Est-ce que les internets, les réseaux sociaux, est-ce que tout ça, c'est des outils qui t'ont aidé ? Comment est-ce que tu as réussi à aller aussi vite ? Clairement, en fait, effectivement, les réseaux sociaux, et puis il faut être tenace, pugnace, c'est une de mes qualités. Et en fait, oui, effectivement, les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. On avait fait un financement en 2016 qui s'était bien passé. On avait finalement, de l'expérience là-dessus. Et lorsqu'on a fait notre deuxième financement, bah, alors là, tout s'est précipité. On avait, je pense, la bonne idée au bon moment, avec la bonne communication. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu sais, la communication, c'est très important. Tu disais que tu as fait ta première vente sur Twitter aujourd'hui ? Il y a 2 jours, en fait, effectivement. Ah oui, je l'ai, c'est Doc, c'est ça ? C'est exactement. Doc. Ouais, c'est alors Doc, il nous écrit, il dit « Je n'achète plus que ça, du jean français, chez Atelier Tuféry, qui va nous rejoindre dans un instant. Chez 1083 officiel, c'est Thomas Hurier. Et j'attends mon Dao Davi. Ben » voilà, on est complet. Et on a aussi Lila Saul hein, sur Twitter avec le hashtag Europe 1 qui nous dit « Des jeans français bien fabriqués, bien recyclés, car consignés, voilà qui est très intéressant. » Vous faites vous aussi chez Caporal du upcycling, je crois. C'est ça. En fait, depuis 3 ans, on a une opération, c'est notre manière de voir le Made in France. Hein. On a une opération de collecte dans nos boutiques. On rachète des jeans qui ont déjà été portés et on travaille avec un atelier d'insertion à Marseille pour confectionner des nouveaux vêtements. Et on est allé plus loin depuis 2 saisons dans l'histoire de nos jeans upcyclés en invitant chaque saison un jeune créateur pour prendre la DA de cette capsule de collection qui est toujours confectionnée. Oui, la direction artistique, pardon, excusez-moi. Qui est toujours confectionnée avec les ateliers très atypiques à Marseille que je salue au passage. On reste ensemble, on continue à parler du jean français sur Europe 1. Il est 13h28. Europe 1. Retrouver l'outil de production et aussi parfois la matière première. C'est le défi pour les marques françaises. De nouvelles font leur apparition, comme chez Tuféry, vous allez voir. Midi 30, 14h. La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Plus. On parle du jean français et de la renaissance du jean français jusqu'à 14h sur Europe 1 avec vos invités, Raphaël Duchemin. Vous êtes très nombreux à réagir à cette émission au 39-21, le standard d'Europe 1, et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Il y a Grisor qui nous dit « C'est top qu'une grande marque comme Caporal commence à faire des jeans made in France. Là, ça a vraiment de l'impact et ça fait des emplois en France. » Et oui, parce que Guillaume Ruby, directeur de la marque Caporal, est avec nous, tout comme Thomas Hurier, fondateur des jeans 1083, et David Aho, fondateur de Dao Jean. Guillaume Gibault, fondateur du slip français, notre coach du jour. Et à mes côtés, il y a Elisabeth. J'ai une question pour vous. Oui. Tiens, au niveau des prix, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, un jean, ça coûte combien ? De combien à combien ? Alors, avant que nos invités nous donnent le prix de chacun de leurs jeans, je peux vous dire qu'il y a une différence entre le prix affiché en magasin et le coût de fabrication. Ah bah. Alors, pour vous donner une idée, dans les magasins, vous pouvez trouver des jeans à partir de 9 euros. Oui. Ah bon ? Oui, il y en a, évidemment. Il y en a. Et ça peut grimper jusqu'à
jusqu'à 900 000 euros quand ce sont des grandes marques avec des procédés de fabrication un peu particuliers, des broderies, des perles ou autre. En coulisses, si votre jean est fabriqué en Tunisie, sachez qu'il coûte en moyenne 17 euros. Il coûte 13,50 euros en coût de fabrication en Turquie et 5,40 euros. Quand vous avez votre jean écrit fabriqué au Bangladesh, il coûte 5,40 euros. Le coût de fabrication ici en France, il est forcément différent, Thomas ? Nous, nos jeans qui sont filés, teintissés, confectionnés en France, nous coûtent autour de 35 euros et on les vend autour de 100 euros. Et en fait, on fait en gros trois fois moins de marge de distribution que les marques qui font des jeans à 100 euros mais qui les importent. Même question pour vous ? C'est à peu près la même chose. Hein. Oui, tout à fait, ils nous reviennent à peu près à 40 euros. Et effectivement, on les vend avec un prix moyen qui est un peu plus élevé, à 120 euros en prix moyen. 160 euros, c'est ça le jean chez vous, David ? On a une moyenne sur la gamme totale qui est de 145 euros. Effectivement, Denim Lin, qu'on a sorti récemment, est à 160 euros. C'est aujourd'hui le jean le plus cher de notre gamme, qui est dû notamment à cause du prix du lin. Voilà, tout simplement. Eh bien, on va poser la question à notre invité qui nous rejoint, qui est Julien Tufféry, qui est en ligne avec nous. Bonjour Julien. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les copains de la fabrication française. Ils sont là, ils vous écoutent. Alors, chez les Tufféry, le jean, c'est une affaire de famille. On va commencer par les prix, si vous le voulez bien, puisqu'on leur a tous posé la question. Un jean Tufféry, il va de combien à combien ? Mais oui, bien évidemment. Alors, un jean de Tufféry, ça part de 99 euros jusqu'au-delà des 300 euros pour les jeans sur mesure. Ça, c'est à l'achat. Et pour le coût de fabrication ? Ben on a un gros volet formation de notre personnel qui nous plombe un petit peu, mais bon, c'est pour la bonne cause, le prix de nos jeans, mais on est aux alentours entre 40 et 45 euros à peu près. Alors, vous êtes dans les Cévennes, à Florac, ça fait 126 ans que la marque existe. Il y a eu Célestin, il y a eu Jean-Alphonse, il y a eu Jean-Jacques et aujourd'hui, il y a Julien. Chez vous, il y a eu jusqu'à, je crois, 40 couturières, c'est ça, dans les années 60 ? Tout à fait, il y en a eu même un petit peu plus. C'est monté jusqu'à une soixantaine de couturières sur notre bassin de vie des Cévennes, qui était clairement une terre de jeans. Ça rayonnait autour de Nîmes. Mon arrière-grand-père et mon grand-père allaient chercher leur toile à Nîmes. Et vous continuez ? Vous prenez tout dans la région aujourd'hui, Julien, ou vous allez vous servir ailleurs ? Vous travaillez toujours dans l'atelier ou vous avez une partie sous-traitée ? Alors pour le coup, la région a quand même subi des dévastes industriels assez importants. Donc du coup aujourd'hui, on essaie vraiment de tout sourcer au plus près de chez nous. Donc tout ce qui va être les toiles, on est en grande partie toile française. Ensuite, on va aussi chercher des toiles au nord de l'Espagne, au nord de l'Italie, qui correspondent à des critères de qualité assez particuliers. Et derrière, on tâche vraiment de réactiver l'atelier. On est passé dans l'atelier de 3 à, on est 14 à l'atelier de Florac aujourd'hui. Et donc c'est chouette, en 2 ans et demi. Et on développe un réseau de partenariats avec d'autres ateliers français qui sont vraiment hyper intéressants. Et c'est ce qui est génial. Et je vous écoute parler depuis tout à l'heure. Oui. Le côté dynamisme à plusieurs est vraiment super. Puisque, mon père en parlerait mieux que moi, mais... mieux que moi sûrement, seul, ça je vous confirme. Il s'est senti bien seul durant de nombreuses années. Ouais. Alors on a une question du coach. Une question qui est pour Julien, mais qui est un peu pour tout le monde autour de la table. On voit bien que vos prix de fabrication, que nos prix de fabrication, c'est plutôt 3 ou 4 fois plus cher que la concurrence. Sauf que quand on pose la question aux Français, ils disent à 90% on est prêt à acheter Made in France quand on a le choix, mais on est prêt à payer 10 ou 15% plus cher. Donc là, on a un problème mathématique. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, Julien ? C'est quoi ? C'est l'histoire des Cévennes qu'on raconte ? Quelle est la solution, en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à faire entrer un rond dans un carré ? Oui. Tout à fait, elle est très juste ta question, Guillaume, mais alors la chose c'est qu'en fait on est obligé de se concentrer et c'est parfois un frein à la fois oui et non, c'est que sur notre modèle de développement en fait on a fait ce choix d'être uniquement en vente directe. La vente directe aujourd'hui elle est hyper hyper pertinente et pour le consommateur et pour le fabricant, c'est que les mains qui font sont les mains qui vendent. Alors oui, on a des coûts de fabrication qui sont colossaux, qui sont très importants comparé à tout ce qui se fait très loin sur la planète, mais aujourd'hui du fait qu'on soit vraiment sur cette vente directe là, on peut s'abstenir complètement des énormes marges que peuvent prendre des revendeurs. De fait, on arrive confortablement, et Thomas le disait, en faisant un x3, à payer notre centre de formation, à payer notre R&D, à avoir des conditions de travail françaises dans nos ateliers qui sont absolument extraordinaires. Et à innover aussi, parce que je crois que vous avez sorti un jean en laine, Julien, la laine d'ici, évidemment.
Et d'ici, évidemment, exactement. Mais ça partait aussi d'un constat de bon sens, d'un constat tout simple où, bah, pareil, mon arrière-grand-père faisait utiliser du sergé, la serge de Nîmes, avec des fibres locales, qui étaient le chanvre, qui était la laine, qui était la soie des Cévennes également. Donc là, Florac, au cœur du patrimoine mondial de l'UNESCO pour son agro-pastoralisme, c'est-à-dire son, vraiment ses petits élevages de brebis. Du coup, ça fait quasiment un petit peu plus de deux ans qu'on est avec le parc national des Cévennes, des éleveurs, sur ce côté. Mais et si on redynamisait un petit peu cette fibre qui est absolument géniale, qu'est la laine, et en plus c'est une fibre locale, ben donc petit à petit ça contribue à réduire toujours plus ce bilan carbone de ces jeans. Et il y a Bernard qui dit depuis 1892, pardon, les ateliers Tufféry à Florac fabriquent de très bons jeans, très solides. Ça fait 20 ans que j'en achète chez eux, c'est bien meilleur que Levi's. Voilà ce qu'il nous dit. Je crois qu'on a des réactions sur Twitter aussi. Oui, on parlait du bilan carbone. Il y a Miss Sox Please qui dit, et si on parlait du drame écologique engendré par la confection et surtout par le traitement hautement polluant des tissus rentrant dans la fabrication du jean, qu'il soit français ou pas. Oui, d'où évidemment les nouveaux modèles. Thomas, vous travaillez beaucoup là-dessus aussi, oui, justement pour réduire évidemment tout ça. Hein. Bien sûr, c'est exactement pour ça que c'est intéressant de relocaliser la filière pour mieux maîtriser ses approvisionnements de matières premières. Et puis nous, par exemple, sur la partie délavage, on a investi il y a 3 ans dans une machine qui délave au laser. Et ouais, donc ça évite toute chimie, tout sablage, plus d'eau. Voilà, c'est génial, tout propre. Ça. Et on dit un mot peut-être de l'école, parce que c'est important. Elle a ouvert ses portes, l'école du jean, au mois de septembre. Oui, je lui en parlais. Il y a vraiment un enjeu collectif de formation, de valorisation de ces métiers manuels. Quand on fait visiter notre usine, le métier qui plaît le plus, c'est celui de couturière. Et donc, du coup, le but du jeu, c'est vraiment de rendre ces métiers attractifs en faisant de nos ateliers les lieux de travail les plus cool de France. Je sais qu'on aurait aimé rester ensemble. Malheureusement, le temps nous presse. Merci à tous les trois d'être venus. Merci aussi à Julien qui était en ligne, d'être venu parler du jean français. On espère que la relève est en marche. Il est 13h39. Europe 1. C'est encore une histoire de famille qu'on a choisi de vous raconter. Et celle-là se passe en Vendée. C'est Gauthier, c'est l'entreprise qui va bien, merci. Midi 30, 14h. Raphaël Duchemin sur Europe 1. Et vous écoutez La France qui bouge sur Europe 1 et tous les jours, vous nous présentez, Raphaël, une entreprise française qui va bien. Et celle d'aujourd'hui, elle nous emmène entre autres dans les chambres de notre jeunesse. Oui, parce que cette entreprise, eh bien c'est Gauthier. Bonjour David Soulard. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Directeur général de cette fabrique de mobilier. C'est votre oncle, hein, je crois, qui a fondé la maison en Vendée. Oui, tout à fait, Patrice Gauthier. Au départ, c'était une ébénisterie familiale classique qui faisait travailler quoi, une dizaine de personnes ? 1960, oui, une dizaine de personnes dans le bourg du Boupère, qui est en plein cœur du bocage vendéen. Tout de suite, hein, on ouvre le livre d'histoire. Le livre d'histoire, comment est-ce qu'il fait à l'époque, Patrice, pour se développer ? Ben, on était en pleine période en fait de l'équipement. On avait en fait un taux d'équipement de meubles en France relativement faible. Il y avait un besoin réel et en fait ses premiers clients ont été en Bretagne avec mon père Dominique Soulard qui était le premier commercial de l'entreprise puisque Patrice Gauthier c'est mon oncle. Donc il a embauché finalement son beau-frère. Donc c'est une histoire de famille dès le départ. Alors ça va crescendo jusque dans les années 80, tout va bien. L'entreprise se développe ici en France, on la connaît tous. Elle se développe dans le monde aussi. Et puis la crise pétrolière arrive. Là ça se complique. Oui, effectivement, en 1983, la première crise, en fait, les conséquences de la première crise pétrolière en France, d'une déconsommation qui a été relativement forte. Et notre entreprise, à l'époque, était en pleine expansion, en rachetant d'ailleurs pas mal d'autres entreprises. Le navire amiral Gauthier allait plutôt bien, mais c'est le reste qui a fait tomber tout. Donc à l'époque, on a perdu l'entreprise, la famille a perdu l'entreprise. Du coup, vous vous retrouvez sous la coupe, si j'ose dire, d'une holding parisienne. Ça, tout à fait, le groupe Cerebo. 83-99, c'est ça ? 83-99, des années dans lesquelles ce groupe nous structure, nous aide à progresser. Mon père reste dans l'entreprise, passe alors, de direct. Votre père reste, mais il y a un problème quand même. Oui, en 99, il s'est avéré qu'au bout de toutes ces années de belle vie, les dirigeants de l'époque ont souhaité des dividendes certainement beaucoup plus importantes que de normal. Et mon père s'y est opposé, voulant défendre le Made in France, défendre déjà à l'époque le Made in Vendée. Et il s'est trouvé, on va dire, viré. Et les salariés se sont mis en grève pour récupérer leur patron. Oui, un conflit qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, beaucoup de bruit, pour ceux qui s'en souviennent. Aujourd'hui, du coup, entre-temps, il est revenu. Ils ont gagné, les salariés de l'entreprise. Les salariés ont gagné. Ils l'ont fait revenir. Tout à fait. Ils ont été aidés aussi pour ça. Aujourd'hui, c'est reparti. Vous êtes
numéro 1 de la fabrication de meubles pour enfants, parce que c'est votre famille qui a inventé le lit camion, c'est ça ? C'est ça, le lit, en fait, on va dire, qui fait un peu rêver l'enfant. Oui. Finalement, dans les années 60, l'enfant n'avait pas sa place dans la maison, et je pense que dans l'imaginaire, il fallait lui créer son environnement à soi. Que dit le coach ? Le coach, il vous voit arriver avec le petit coq bleu sur votre veste qui dit French Fab. Alors, ouais. Moi, du coup, ambassadeur, yes, de la French Fab. Donc French Fab, c'est l'innovation de comment est-ce qu'on peut inventer l'industrie de demain. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a du fond derrière ce French Fab ? Est-ce qu'on est aidé ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait dans votre quotidien de porter ce coq ? Alors la French Fab va être lancée en Vendée le 20 novembre. C'est un élément de visibilité que nous souhaitions, sur lequel nous avons été nommés ambassadeurs pour notre département et pour lequel en fait nous on y adjoint trois choses. D'une part en fait la visibilité de l'entreprise dans son origine de fabrication avec un logo sympa qui permet d'exporter. Parce que la notion de French Fab avec un coq bleu, c'est sympa, ça permet d'exporter. En tout cas, d'une visibilité. La deuxième chose, c'est en fait la visibilité de nos entreprises, puisqu'il faut quand même faire venir les jeunes vers l'industrie. L'industrie fait peur, l'industrie ne donne pas envie. On préfère finalement beaucoup de nouveaux métiers, que sont le marketing ou d'autres d'ailleurs, qui doivent exister. Mais nous, on doit exister aussi. La réindustrialisation de la France, elle est importante, elle vient aussi des nouvelles générations. Donc oui, j'y crois, oui. Au-delà de la French Fab, ce qui est important de dire aussi peut-être pour Gauthier, c'est que tout est fabriqué ici, dans les usines, au Puy du Fou. au Puy du Fou, on n'est pas au Puy du Fou, mais on est à côté. Oui. À côté du Puy du Fou, oui, c'est pour que les gens comprennent. Oui. Vous avez trois usines, c'est ça ? On a trois usines. Tout à fait. On a eu deux 930 usines. 930 personnes qui travaillent pour vous ? Oui, tout à fait. On a un réseau de 70 magasins en France, 120 avec l'international. On vend des produits fabriqués en Vendée tous les jours, que ce soit dans notre magasin d'Oulan-Bator en Mongolie, que ce soit à Toronto au Canada. Avec et c'est du le bois même... français. Et avec du bois français, 100%. 100% français. Nos forêts sont situées entre, on va dire, le bassin on va dire breton jusqu'au bassin bordelais. C'est du pain. Et aussi, en fait, gérer de façon durable. Parce que je crois que dans l'image de ce qu'on doit faire dans le Made in France, il y a la notion de durable qui est très importante, le vert. Allez, un petit dernier mot pour Guillaume. Le coach. Et là-dedans, dans sa stratégie, le digital, forcément. Quand on vend du meuble, est-ce que c'est un levier ? Est-ce qu'on est un pro d'Instagram ? Quelle est votre stratégie sur Alors le moi, sujet ? Alors moi, je ne suis pas Instagram. Je suis plutôt Twitter, LinkedIn, Instagram, mes équipes, la Gauthier Team. Parce que j'ai une team derrière moi, je ne suis pas seul en fait. Je suis vraiment bien entouré. La digitalisation de notre relation avec les consommateurs, elle est vraiment prépondérante aujourd'hui parce qu'on est souvent sollicité sur des questions, sur des recherches. Mais on pense que c'est l'avenir du figital. Figital. Figital, c'est-à-dire les magasins sont nécessaires, mais la digitalisation aussi. C'est une très belle traction. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette très belle maison qu'est Gauthier. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et Samuel G nous dit sur Twitter une belle histoire que celle de Gauthier France racontée par David Soulars à l'instant sur Europe 1. Il est 13h47. Merci. Europe 1. Un meuble qui s'ouvre, tiens, et qui dévoile un studio à l'intérieur. Non, vous ne rêvez pas, ça existe. C'est Very Good Box et c'est la solution Made in France. Europe 1, midi 30, 14h. Votre rendez-vous info de la mi-journée avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h et tous les jours juste avant 14h. Raphaël Duchemin, vous nous présentez une solution. Celle d'aujourd'hui va nous aider à voir plus grand. Nous sommes toujours avec notre coach fondateur du slip français, c'est Guillaume Gibault. Et la solution, eh bien, c'est Elisabeth Assayek qui va nous en parler. On va aménager un studio en un meuble, ça oui, existe. Oui, totalement. C'est un concept qui est assez exceptionnel, on peut le dire. Imaginez que vous puissiez tout réunir dans 6 mètres carrés. J'ai bien dit 6 mètres carrés. Oui. Ça pourrait être la solution pour gagner de la place ou pour aménager, par exemple, pourquoi pas des futures résidences universitaires ou des programmes immobiliers, hein, tout est possible. Avec des espaces que l'on sait toujours un peu plus petits. Pour vous donner une idée, vous avez des espaces de travail avec une table, un bureau amovible qui s'ouvre sur une cuisine aménagée avec tout le confort, les éviers, les placards, les étagères, un espace salle de bain avec douche, la vasque et le lave-linge intégré. Je suis très sérieuse, hein, Raphaël. Ah oui, je vois ça. Bonjour Nicolas Végé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le gérant de Very Good Box. Comment ça démarre cette aventure de Very Good Box ?
Ça démarre, je travaille déjà... Vous pensez quand même, hein, un cube de 6 mètres carrés pour voilà, un lieu de vie. Oui, ça a pris quelques années, on va dire, en conception, parce que moi je travaille en conception, j'ai une entreprise qui s'appelle Very Good Plan, qui est une au service des professionnels du bâtiment, architectes, etc., dans la conception. Donc j'ai pris l'habitude de travailler dans cet environnement-là, et puis je me suis spécialisé un peu dans le gain de place. J'ai eu aussi beaucoup d'appartements et à force des choses, j'ai pensé à solutionner une solution d'aménagement optimisée en fait pour les petits espaces. Quand on est étudiant, on a des petits espaces. Alors comment vous organisez cela? Par exemple, je vis dans une petite surface et en quoi est-ce que Very Good Box peut devenir ma solution? Comment je dois faire? Alors, en rénovation, si vous voulez, l'idée, c'est de faire table rase de tout ce qu'il y a dans l'appartement, ce qui réduit largement chaque pièce, et puis d'installer le bloc monolithe qui a toutes les fonctions. C'est la forme d'un placard, finalement. C'est un gros cube, c'est un gros placard. C'est effectivement un grand meuble, un gros meuble multifonctionnel. Et si vous voulez, pour résumer cela, plutôt que de rentrer tous les meubles dans un appartement, j'ai rentré tout l'appartement, comme vous l'avez bien dit, dans un meuble unique. Et ce qui avait fait directement de regagner un espace à vivre, du confort chez soi, tout simplement. Que dit le coach? Impressionné, je vois les images, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. On se dit quoi quand on invente un produit comme ça? On va le vendre à des clients particuliers, on va le vendre à des clients, à des revendeurs, à des réseaux de distribution. Comment est-ce qu'on vend un produit comme ça? On envisage un petit peu tout, dans un premier temps. Aujourd'hui, ma première cible, c'est effectivement les particuliers, surtout face à des demandes de plus en plus variées de logements, comme la location courte durée ou bien le co-living qui vient de plus en plus. Donc, dans un premier temps, ce sont des investisseurs locatifs particuliers, en fait. Mais effectivement, derrière, rapidement, j'ai été amené à rencontrer des personnes pour tout ce qui est résidence, les professionnels, en fait, les bailleurs sociaux, etc., les hôteliers, pour les résidences étudiantes, notamment. Co-living, hein, je précise, c'est le fait de vivre ensemble, partager un appartement, évidemment. Ça coûte combien, J'ai deux versions aujourd'hui. La première, la version cube que vous aviez vue, elle est à TTC 34 500 euros. Et la version mini, dont on n'a pas parlé, mais qui est une version à 3,50 m, spécialement pour les Parisiens, on va dire, peut-être. C'est pour ça que je viens au salon, d'ailleurs. Elle est à 28 200 euros. Made in France, pardon. Oui. Elle est à 28 200 euros. Il faut savoir que c'est installé, livré par nos soins et en 5 jours. Donc voilà, et tout compris. Et vous avez des salariés dans votre entreprise? Absolument pas, non. Vous êtes tout seul, oui. Alors comment vous faites? Vous fabriquez vous la... Vous faites... Alors j'ai pas de salariés pour la fabrication, mais j'ai des partenariats. Je sous-traite. J'ai un partenaire qui est local près d'Angers, qui est à Brun-sur-Lothion, Créative Mobilier pour ne pas le citer, qui fait la fabrication. Voilà, c'est ça. C'est je lui avais promis en plus. <contraire. rire> Donc Jacques, si tu m'entends, qui s'occupe de toute la fabrication. Il m'a fait confiance depuis le début et voilà. Et donc c'est à Brun-sur-Lothion. Dernière petite question. Tout est français? Ah oui, tout est français, oui, c'est fabriqué à Brun-sur-Lothion. Et combien ça coûte? Alors, donc, la version cube est à 34 500 euros, mais TTC avec tous les équipements et également la livraison et la pose dans toute la France. Et puis pour la version mini, que vous pourrez venir voir au Salon Made in France que je présente cette fois-ci, elle est à 28 200 euros. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Very Good Box. Merci d'avoir été avec nous. Demain, eh bien, nous nous retrouverons pour parler évidemment d'une nouvelle filière du Made in France. Elisabeth, on va saluer Guillaume Gibault, qu'on retrouvera aussi au Salon du Made in France, évidemment, et bientôt sur Europe 1. Et demain, nous parlerons maroquinerie. À demain, c'était Raphaël Duchemin sur Europe 1. Dans un instant, à 14h pile, vous retrouvez Christophe Ondelat qui vous raconte des histoires incroyables et des destins hors du commun. Bonjour Christophe.